Bon, salut tout le monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo de petite analyse et commentaire d'un nouveau trailer sur un Total War. Ça fait un petit moment déjà que j'en avais pas fait. C'est sur Total War Pharaoh, un Total War surprise hein, à mes yeux. J'ai bien aimé le trailer, je me demande pourquoi ce Total War là, mais en tout cas... il me fait grave plaisir, il me fait chaud au cœur. Mais franchement, je pense que c'est une période intéressante. Hein, de ce que j'ai lu, apparemment, Total War Pharaoh va se passer à la fin de l'âge du bronze. Et ça va commencer à avancer vers l'âge du fer un petit peu après, niveau historicité. Alors après, on n'est pas encore sûr à 100%, mais ça vérifie. Donc ça, c'est la fin de l'âge du bronze, quoi qu'il arrive. Donc là, ça se passe donc, majoritairement en Égypte. Il est prévu pour octobre 2023. Ce qui est dans exactement 5 mois, on n'a pas encore la date exacte, mais on va le voir tout de suite. Alors j'ai regardé un petit peu la FAQ pour me renseigner, donc il a été développé par Creative Assembly, ça je vous apprends rien. En gros là ça va être la période de l'Égypte ancienne qui se dirige donc comme je disais vers l'effondrement de l'âge du bronze, et il y aura aussi des batailles dynamiques et une gestion d'empire. Donc prévu en octobre 2023 mais pas plus de précision, il va y avoir 3 cultures différentes, les Égyptiens, les Cananéens et les Hittites. Bon, les Égyptiens logique, puisque ça s'appelle Pharaon, donc ils sont au centre du jeu, en toute grande logique, je vais y arriver. Nous aurons Ramsès, Sethit, Tausret et Amenmesse, pardon. Donc 4 héros égyptiens majeurs, donc ça tu t'en vas toi. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc on va avoir 4 seigneurs pour l'Égypte, 2 pour les Cananéens et 2 pour les Hittites. Donc 8 factions de base, le jeu va coûter 60 € pour l'édition de base, 72,87 € pour l'édition de luxe et 91,46 € pour l'édition dynastie. Sachant que sur l'édition de luxe, il y a un DLC et la bande sonore, il y a un décompte de 10%, tandis que l'édition dynastie, il y aura moins 25% avec tous les DLC et la bande sonore inclus. Donc tous les deux disponibles sur Steam et Epic Game Store, là j'apprends rien de plus. Voilà, donc il y aura pour l'édition de luxe un DLC comme je disais de la bande son. Tandis que l'édition de Dynastie, il y aura tous les DLC de factions et un pack de campagne et une bande de son. Comme je le disais, évidemment, les packs DLC sont publiés après le lancement du jeu, ce qui est logique. Voilà. En gros, si on précommande aussi le jeu, on va avoir accès au jeu à un week-end exclusif en accès anticipé avant sa sortie, et 2 packs cosmétiques qui sont l'Avatar des Dieux et le Cœur de Chardin pour le jeu complet. Apparemment chaque pack va avoir des avantages spécifiques, donc l'avatar des dieux lui ça va être un cosmétique pour chaque chef de faction jouable, et cœur de Chardin ça sera des tenues pour les unités de garde du corps. Donc là on revient sur un Total War historique puisqu'on mentionne des gardes du corps de ce que je lis, ce qui est plutôt cool. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu d'historique depuis, alors le dernier historique est-ce qu'on va dire que c'est Rome 2 officiellement, c'est un historique. Après, certains diront que c'est Attila, mais c'est un tout autre caractère. Après, Britannia, c'est un saga, mais c'est un historique aussi. Donc, le débat est assez vaste, mais au moins un Total historique. Pour moi, si je devais dire historique dans le sens garde du corps et historicité, ça serait Troy Britannia. Bien que le dernier grand opus historique officiel, c'est Rome 2 Total War hein, en termes de classification, à mon humble avis. Donc voilà un petit peu les différents avatars. Donc là je pense que ça va concerner certains généraux. Donc elle je pense que c'est l'une des chefs de faction égyptiens. Alors lui il me fait plus penser, celui du milieu me fait plus penser à soit un Hittite ou un Cananéen. Je vais plus dire un Hittite vu le style du masque. Je pense pas que les Cananéens avaient ce style de masque. Après je peux me tromper. Et là logiquement ce serait le Cananéen. On verra bien. Donc là, voici donc les deux packs cosmétiques dont je parlais juste avant. Il y aura aussi une édition physique pour ceux qui sont intéressés. Il semble qu'il y aura une superbe carte. Et j'ai l'impression qu'on voit qu'en Égypte, ça va pousser. Alors, si vous regardez bien, j'ai l'impression que ça va peut-être pousser jusqu'à la Nubie, voire l'Éthiopie avec le royaume de Kouch ici. Ce qui pourrait être cool, hein, qui sait, hein, déjà, ça serait pas mal. Les langues, bon, on aura l'anglais, le français, l'italien, l'espagnol, tchèque, polonais, turc, coréen, portugais, brésilien, chinois, simplifié, traditionnel. Le dieu sera par contre en anglais, en allemand et en mandarin, donc ça va peut-être décevoir les amis francophones, évidemment. Et il sera jouable en mode coopératif et en mode affrontement. Et apparemment, on va avoir le crossplay entre Steam et Epic, et ça c'est très bien, c'est une très bonne chose pour ceux qui veulent le prendre sur Epic. Donc voilà, je suis plutôt content. C'est un Total War pour moi qui va être une bonne surprise déjà. Ça va être un rafraîchissement aussi à la licence. On va avoir une nouvelle époque qu'on n'a pas trop connue hein, dans la licence actuellement. La seule fois où on a eu la mention d'Égypte antique, c'était sur Rome 1 et Rome Remaster puis Rome 2. Bon, c'était quand même à l'époque moins de 170. Hein, donc ça fait un petit moment déjà. Et là on repart vers moins 1200, donc ce qui est quand même cool, et ça, on va voir un petit peu comment ça se passait à l'époque, et comment Creative Assembly va gérer son affaire. Je suis assez curieux. Donc on va avoir beaucoup d'unités d'infanterie pour l'époque, des lanciers, des bretteurs, des archers, des chars aussi. Alors la cavalerie, je ne sais pas si ça commence à se développer à cette période avec les étriers, alors peut-être que oui, peut-être que non, je n'ai pas l'information, mais pour moi ce sera plus un combat avec beaucoup de chars majoritairement. Alors, pour alors les trois factions, alors déjà des trois cultures, bon, je pense que beaucoup de gens vont jouer sûrement égyptien, hein, ce qui semble logique, hein, comme je le disais auparavant, le jeu s'appelle Total War Pharaoh, c'est pas pour rien, mais moi perso, je suis plus tenté par soit des Cananéens ou des Hittites, juste pour en faire un petit peu différent de tout le monde, donc on pourrait voir un petit peu ce que ça donne, donc les Hittites qui sont en Asie mineure, donc c'est au sud de la Turquie, hein, je vais reprendre cette carte, donc c'est un petit peu près, je pense, dans ce secteur ici, au sud de la Turquie, peut-être au cœur d'Anatolie. Il me semble qu'il y avait un royaume de Lucca qui est quelque part sur la côte là. Et après on a les Cananéens qui s'étendent au nord du Sinaï jusque quasiment en Turquie. Donc c'est surtout quand on voit cette carte que c'est assez côtier entre guillemets quoi. Donc beaucoup sur les bords de la mer Méditerranée. Donc moi ça m'intéresserait de faire peut-être une campagne avec eux, ça c'est sûr, dès que le jeu sortira. Alors on va voir un petit peu les différents personnages, surtout les Égyptiens, après j'ai pas trop trouvé malheureusement pour les personnages Hittites et... comment ils s'appellent Cananéens, je réessayerai quand même. Donc déjà on a Ramsès, donc Ramsès 3, pour moi ce sera pas Ramsès 2. Je pense qu'on va assister à Ramsès 3 qui veut tenter d'être digne de l'héritage de son... c'est son père je crois, Ramsès 2, de son père, ouais. Pour être digne de lui. Parce que je pense que Ramsès II, il va avoir beaucoup d'enfants dans sa vie. Sethit, je crois que c'est Sethit 2, si je dis pas de bêtises. Tausret, c'est une reine, et Amenmesse, c'est un roi. Donc, on va regarder un petit peu tout ça. Donc, ouais, c'est comme je le disais, c'est vers moins 1200. Donc là, par exemple, Amenmesse, il va régner de 1203 à moins 1199. Et effectivement, le Sethit dont je parlais, c'était donc le Sethit 2. Donc, en gros, Amenmesse, ça serait une sorte de roi usurpateur, un petit peu, de ce que je lis. Donc ça serait cool, on va avoir un petit peu une guerre civile entre les Égyptiens peut-être, et peut-être qu'il y aura un système de confédération, dans la logique des choses entre Égyptiens, Cananéens et Hittites, entre eux. Ça me semble plutôt plausible. Ensuite, Tausret, ou Tausert, donc son nom c'est Tausert, c'était Penut, excusez-moi si je prononce mal, c'est la dernière souveraine de la 19e dynastie, elle fut l'une des épouses du pharaon Sethit II. Bon, ça... Ok, alors Sethit 2, qu'est-ce que ça dit? Sethit 2 ou Sethit Merenptah de la 19e dynastie, fils de Merenptah, qui est le 4e pharaon de la 19e dynastie. Donc c'est le 13e fils de Ramsès II, Merenptah. Ok, donc c'est un beau bordel de la dynastie en Égypte. Apparemment, il va y avoir des invasions massives en Égypte par les Libyens, qui vont venir embêter le monde en Égypte. Donc là, l'Égypte, elle va avoir du challenge. Peut-être que ça sera un des packs du DLC annoncé, qui sait, hein. Au début ils seront pas jouables, ensuite ils vont venir en DLC, ça pourrait être une possibilité. Après je trouve que la carte elle va être grande, donc ça pourrait se tenir, hein, en vrai. Et après on verra un petit peu ce que ça donne avec d'autres packs DLC, donc pourquoi pas les Assyriens qui commencent à prendre leur essor et à casser la tête aux Hittites, et peut-être aux Cananéens. On pourrait avoir Babylone aussi qui est en train d'essayer de survivre aussi de son côté, vu l'époque ça pourrait coller. Après les Acadiens, je sais pas si c'est encore la période, ça me paraît un peu tôt. Mais en tout cas, sur ce Total War, il y a fort à faire, je pense. Mais la question qui m'intrigue à l'heure actuelle, c'est le fait que c'était développé par le studio de Sofia, qui s'est occupé du dernier Total War Saga Troy. Alors, je me demande si, à la base, Pharaon n'était pas prévu pour être un saga. Et finalement, pour des raisons qu'on aura la réponse, j'espère, un jour, est-ce qu'ils ont décidé de le passer en ERA? Est-ce qu'ils ont vu un potentiel que nous autres, on ne connaîtrait pas? Affaire à suivre, donc j'espère qu'on aura bientôt des réponses. Alors j'ai lu aussi que le jeu va avoir une découverte de son gameplay à partir du 1er juin, Ça sera, je pense, sur la chaîne officielle de Total War sur Twitch, par exemple, peut-être YouTube aussi. Donc je suis assez curieux de voir un petit peu tout ça. J'ai vu aussi qu'il y a eu quelques images qu'ils ont fuitées par rapport au moteur, mais la question est de savoir, est-ce qu'ils ont gardé le moteur habituel qu'on connaît jusqu'à présent, ou ils sont complètement passés à notre moteur? Donc ça, on le saura le moment venu. Moi, j'ai le sentiment que ce n'est pas un nouveau moteur, c'est un moteur, c'est le moteur actuel. Ils ont dû corriger des choses ou garder une structure assez importante et qui était stable pour ensuite coder autour et faire le nécessaire. Voilà. C'est mon avis. Après, toutes ces réponses, nous les aurons en temps utile. Donc je pense que, voilà, pour ce Total War, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc je pense qu'il y aura aussi la survie des empires hittites et égyptiens qui sont alliés, me semble, à ce moment-là. Donc après la bataille de Kadesh avec la défaite de Ramsès, il me semble qu'il y a eu une alliance. À revérifier, mais je pense que c'était ça. Sinon, j'ai rien d'autre à ajouter. Je pense que pour moi, ce Total War, franchement, c'est une perle rare. Une autre époque inédite, ce qui est assez audacieux de la part de Creative Assembly, parce qu'on leur reprochait souvent, ah ouais, vous allez nous faire des Medieval 2, des Medieval 3, des Rome 1, Rome 2, Rome 3, et après vous savez pas quoi faire d'autre. Mais là, je trouve que le pari de Creative Assembly est assez audacieux, et j'espère de tout cœur que ce Total War historique va marcher, parce que pour moi, je pense que s'il ne marche pas, on pourrait avoir des surprises dans le futur, ce que je ne souhaite pas, bien sûr, que Total War, être complètement du Total War historique, ça serait tellement dommage. Après, j'aurai un petit mot à la fin personnel pour certaines personnes. Mais bon, moi je souhaite de tout cœur que ce Total War marche, qu'on voit des nouvelles choses, des bonnes unités, des bonnes formations, de l'action aussi. Et on verra ce que ça donne. Alors, je suis curieux de voir aussi pour les chars, parce que comme c'était une époque de combat de chars, comment ils vont faire? Est-ce qu'ils vont garder ce qu'ils ont fait d'habitude ou ils ont un peu innové? Ça, on verra. Sinon, voilà, j'ai pas d'attente particulière, mais je trouve que c'est une bonne surprise. C'est tout ce que je dirais. Pour résumer, je le dirai plusieurs fois, mais c'est ce que je pense. Voilà. Et j'ai un petit mot aussi, alors que je vais faire maintenant. Ça concerne une partie de la communauté Total War historique, qu'elle soit francophone ou étrangère. À un moment, je pense qu'il faut arrêter de vouloir embêter un peu le monde avec toujours la même rengaine. Où est Medieval 2, où est Empire 2, Medieval 2, Medieval 3, où est Empire 2. Déjà, ils n'ont jamais été annoncés. Première chose, et deuxièmement, ça commence à être un peu pénible dans le sens où à chaque opus, ouais, où est Medieval 3, où est Medieval 3, où est Empire 2, je pense que s'ils le font pas à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une ou plusieurs raisons qui font qu'ils ne le font pas. Pour moi, il y a une raison qui est toute simple, la première que je vois, c'est le fait que, à force de le réclamer, on ne l'aura jamais, toujours réclamé. Alors, oui. Personnellement, je souhaiterais qu'il y en ait un de Medieval 3. Je le cache pas. Mais je pense que s'il doit venir un jour, il viendra. Voilà, il faut arrêter de vouloir faire ça parce que moi, ce que je crains à l'heure actuelle, je dis ça pour vous, hein, les fadas de Medieval 3 et Empire 2 hein, en mode zélé, si vous continuez comme ça, un jour, tout ce qu'on va gagner, on n'aura jamais ces jeux-là, première chose. Deuxièmement, on risque de plus avoir de jeux historiques parce que l'attitude, des fois, ça peut être limite chez certains. Quand je lis certains commentaires sur certaines plateformes, bref. Et ce que je n'aime pas chez certaines personnes, c'est qu'il y en a qui font du review bombing sur ces jeux-là parce que ça correspond pas à leurs attentes, entre guillemets, Medieval 3, Medieval 2. Et voilà, qui font des comparatifs qui sont assez absurdes. J'arrêterai là pour mon petit message personnel. Sinon, moi, mon souhait, bah, comme je le dis, c'est le succès de Pharaoh et qui donne un nouveau souffle à la licence du niveau des opus historiques. Voilà. Moi, je pense qu'on a une perle rare dans nos mains au niveau des opus historiques. À nous de faire en sorte que le jeu soit bien, qu'on fasse des bons retours et tout ça, ou mauvais, qu'on voit ce qui améliore et pas toujours cracher à la gueule des développeurs, ce genre de choses. Voilà. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Bon, certains diront que c'est peut-être un peu fouillis, ce qui est vrai. Mais je voulais aussi parler avec mon cœur. J'espère en tout cas que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, que ce soit sur les Total War ou d'autres jeux. Prenez soin de vous les amis. Ciao, ciao!